notre site internet adpet.com, qui permet donc aux victimes de faire savoir anonymement le nom des mauvais payeurs sur internet et les réseaux sociaux. En gros, le mauvais payeur, si la dette est identifiée, clairement établie, etc., il ne s'agit pas de... Vous vérifiez si c'est une vraie dette qui existe, et si c'est le cas, on voit sa tête, il est géolocalisé, on sait qu'il habite 4 avenues de la République à Verdun, quoi. Exactement. Bon, et ça s'appelle comment, votre truc ? Alors, ça s'appelle adpet.com. Adpet.com. Et donc, c'est accessible donc, dans 148 pays. Enfin, on est présent dans 148 pays. Pour le moment, français, en anglais, espagnol. Oui, mais j'ai regardé votre site, là. Vous démarrez tout juste. C'est pas encore... vous êtes au tout début, là. On a commencé il y a 3 mois, tout à fait, oui. Ouais. Et est-ce que c'est compatible avec la mentalité française ? Parce que les Français n'aiment pas trop... c'est un truc plutôt anglo-saxon de culture, non ? Je pense que les Français... Enfin, en fait, nous, on raisonne par rapport aux victimes, parce qu'en fait, un impayé, c'est une violence, en fait, qui a des répercussions quelquefois dramatiques. Aujourd'hui, avec Internet, je crois que tout le monde est concerné. Il n'y a personne qui est à l'abri d'un impayé. Et donc, le Neiman Chem est la seule solution qui permet de pouvoir résoudre rapidement ce type de problème. Dans la majorité des cas, les problèmes sont réglés dans les 72 heures, alors qu'en passant par la justice, ça peut durer... très longtemps. On se souvient, cela dit, on se souvient quand même, il y a quelque temps en Espagne, ça avait attiré l'attention des médias, en Espagne, il y avait des huissiers, des compagnies d'huissiers qui poursuivaient les mauvais payeurs avec un clown. C'est pas du tout des huissiers, ils étaient déguisés en lapin, et ils suivaient le débiteur avec le nom sur la mallette. Mais là, on tombe d'un extrême à l'autre. Je veux dire, quand on part du principe effectivement que ces 56 milliards sont une vraie plaie pour l'économie française, ne tombons pas non plus dans l'excès inverse où on frise la délation. Nous sommes quand même dans un pays... La délation, quand vous ne récupérez pas votre... que ça met en péril votre vie, vos enfants, votre famille, votre équilibre, etc. C'est pour ça qu'il et que vous ne récupérez pas l'argent, après tout... Mon cher Eric, il faut prendre les choses dans l'ordre. Nous sommes dans un pays de droit, nous avons des procédures qui sont là, nous proposons effectivement de simplifier, d'accélérer et que ces procédures soient moins chères. En gros, la proposition que nous faisons, c'est d'obtenir un titre pour moins de 60 euros. Voilà, une vraie décision de justice qui peut être exécutée par des officiers publics et ministériels. Sinon, c'est la foire à tout. Donc on ne peut pas cautionner... On ne peut pas cautionner ce genre de choses. Et puis après, quelle est la société qui va coller son image sur ce genre de démarche ? Parce qu'après, les réseaux sociaux, ils marchent dans les deux sens. Donc cette société-là utilise cette entreprise pour faire de la délation. Vous ne tenez pas longtemps. Vous payez beaucoup d'argent pour travailler sur votre image de marque en tant que boîte, et vous allez utiliser ce genre de choses avant de passer d'un extrême à l'autre. Voilà, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. C'est notre proposition que nous faisons. Mais ça n'a pas été fait, l'autre chose n'a pas été fait. Nous la proposons, je pense qu'elle sera reprise dans le grand débat. Il faut que ce soit quelque chose de très important qui soit fait pour l'entreprise française, parce que... J'entends ce que vous dites, parce que ça télescope quelque part ce qui vient d'être dit là, notre esprit français. J'entends, et je suis pas loin d'être d'accord avec vous. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui nous écoute, qui a été obligé de fermer sa boîte parce qu'il n'a jamais pu réussir à récupérer sa créance, est-ce qu'on peut lui dire faut pas attention, c'est de la délation de nommer celui qui refuse de vous payer? Je suis pas certain que ce soit de la délation. Je ne suis pas sûr que sur un site internet le type dira j'ai pas envie de payer, je ne paye pas et je ne paierai pas non plus. Certains pays Je pense qu'avant d'opposer et d'affronter encore les gens les uns contre les autres, on a peut-être d'autres solutions à fournir. En tout cas, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.